Bon matin tout le monde! Il vente un petit peu ce matin, mais je veux vous partager le truc numéro 4 et le truc numéro 5 pour la santé au travail. Donc, si vous travaillez à l'écran surtout, ou si vous avez souvent à regarder à l'intérieur, le prochain truc est super important pour vos yeux et pour votre système nerveux. Si vous ne le savez pas, vos yeux ont une très grande importance, ils ont des muscles, puis ils ont une très grande importance dans votre système nerveux aussi. Donc, les deux trucs, le premier, c'est que la première chose que vous devriez faire le matin, au lieu de regarder l'écran, c'est de regarder dehors, de voir le beau soleil et la lumière qu'on voit présentement, pour dire à votre système nerveux que c'est le jour, que votre système, que votre rythme circadien se set en mode jour, en mode alerte, en mode travail, mais de façon positive. Donc, la première chose que je fais, moi, avec bébé, c'est que oui, on se lève, oui, on se brosse, on ouvre doucement les rideaux, puis on regarde par la fenêtre. Ça veut poursuivre aussi pour mon deuxième truc dans cette capsule. C'est super important parce que vos yeux, ils ont des muscles tout le tour. Donc, si vous portez des lunettes ou si vous êtes dans la trentaine, quarantaine, puis vous remarquez que vos yeux perdent de la puissance maintenant, que vous semblez avoir de la difficulté à lire les petits caractères, ou même que c'est ça, vous portez des lunettes et que vous voyez que la vue baisse pareil, peut-être que le prochain truc va être essentiel. Dans le fond, autour de vos yeux, ce qui permet de construire la pupille, c'est un muscle. Et aussi, autour de l'œil aussi, qui tient l'œil, qui fait bouger l'œil dans différentes directions, c'est des muscles aussi. Puis ça, c'est comme n'importe quel muscle de votre corps. Ils ont besoin d'être bougés, d'être mobilisés dans toutes les directions possibles. Le problème, ce qu'on a, c'est que pour la plupart d'entre nous, le plus loin qu'on regarde, c'est une vingtaine, une trentaine de pieds, parce qu'on vit beaucoup en dedans et on fait plein de choses qui sont en rapport très proches de nous. Souvent, c'est un écran, donc c'est presque 2 ou 3 pieds et on peut regarder le mur un peu plus loin, on peut regarder un collègue à côté si on est dans un bureau, mais on regarde beaucoup dans la maison, mais on regarde très peu, très, très au loin. Et donc, c'est comme un peu si je compare à mon muscle de biceps, c'est comme un peu si j'utilisais juste les muscles de mes yeux à une certaine distance entre mon coude à 90 puis ma main vraiment proche de mon épaule. Donc, on utilise beaucoup, beaucoup nos muscles qui sont de cette amplitude-là, mais on ne va jamais étirer complètement les muscles. J'ai pas assez de bras pour vous montrer le muscle complètement de l'œil et le recontracter. Donc, le meilleur truc à faire pour la santé de vos yeux, c'est de vous lever de votre bureau. Un, parce que vous bougez, ça vous donne à vous sortir de votre chaise ou de votre position statique si vous travaillez debout. Puis, aller à une fenêtre. Idéalement, vous pouvez aller dehors, mais sinon, aller à une fenêtre, vous déplacer vers la fenêtre et de regarder le plus loin possible. Là, je suis vraiment au sommet d'une petite montagne proche de chez moi. Puis, au loin, je ne sais pas si on va voir, on voit Québec, moi. Et on voit des superbes belles montagnes. Donc, j'essaie de regarder le plus loin possible à l'horizon pour voir, pour faire étirer et contracter mes muscles dans une amplitude qui est peu fréquente. Si vous faites ça, c'est vraiment, c'est comme si vous redonnez à votre corps, surtout aux muscles des yeux, la mobilité. Parce que sinon, s'ils sont toujours dans cette amplitude-là, ils vont rester comme ça, puis ils ne seront plus capables de s'étirer. Puis c'est là que ça vient la perte de la vue, parce qu'on a de la difficulté à contracter pour aller voir plus proche et à étirer pour aller voir plus loin par la suite. Donc, quoi que ce soit que vous avez comme problème de yeux, pensez mobilité et amplitude de mouvement des muscles qui travaillent votre œil, autant dans l'orientation de vos yeux que dans la contraction pour aller voir quelque chose de plus près, ou aussi, ça on le fait souvent, plus pour aller voir quelque chose de plus loin aussi. Donc, c'était mes deux trucs de la journée pour la santé au travail. C'est vraiment la santé de vos yeux et de votre système nerveux. Voyez la lumière naturelle, c'est super important. Ce matin, il fait super beau, donc j'ai décidé de sortir encore plus tôt pour profiter du soleil avant que celui-ci se cache derrière les nuages, et aller voir une fenêtre le plus souvent possible et aller voir le plus loin possible. Donc, ce sont mes deux trucs. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de voir un peu plus de ciel aujourd'hui. Profitez-en. Bye!